revient sur Platini. Peut-être pour Bibar cette fois, oui. Et le voilà le but. Bibar et Stopira. Ah, le joli but. Il est content, Bat, il a raison. Superbe. C'est parti de Platini. Bibar, Stopira. On va voir ça. On ralentit avec Jean-Paul Zone. C'est un régal. Regardez Platini. Longue ouverture. Bibar arrive, va plus vite que Minguez. Il arrache le ballon. Et Müller ne peut pas arriver à temps. Et Stopira, un boulet de canon à 3 mètres de la ligne. Bravo Bibar, bravo Stopira. Et bien voilà, il y avait une tentative. Psychologiquement, il y a eu le déclic. Deux minutes après, déclic. 32 minutes de jeu, sous un autre angle. Un boulet. Gianni. Philippe Anziani. Oh, Bellon. De l'extérieur du Bellon, les deux monégasques. Alors, Giresse est là-bas. Que va faire Bellon? Oui. Il croche. Voilà, tête, c'est bien voilà, joué. Voilà le but. Le voilà le but d'Anziani. Bien joué. Servi par son copain de Bellon Monaco. A très bien joué. Bellon, superbe but. Magnifique. Ça s'est bien joué. 2-0. Les 40 sont cuites pour les Allemands de l'Est. 2-0. Bat, c'est content. Il peut l'être. Il peut l'être. Henri Michel aussi. C'est mérité parce qu'un seul but d'écart. Voilà, 2-0. Après les occasions de but que l'équipe de France s'était créée, c'était peu suffisant. Regardez comme c'est bien joué de la part de Bruno Bellon. Qui crochait les défenseurs. Il prend tout son temps pour cadrer son copain Anziani et de l'intérieur du pied, 2-0. Et bien voilà, l'équipe de France termine bien l'année. Hein. L'équipe de France va pouvoir attendre les matchs retour avec sérénité. Les Français joueront le 3 avril 85. En